Tu veux des crédits pas chers sur FUT 17? Rends-toi sur igival.fr et avec le coupon YOMAX38, obtiens 8% bonus. Yo les gars, c'est YOMAX et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 16. Ouais, on est de retour sur FIFA 16. J'ai pas envie de dire que c'est la fin de FIFA 17. C'est pas totalement fini FIFA 17. Je pense qu'il nous réserve encore des choses sur le mode Ultimate Team, des futistes, tout ça. Mais voilà, c'est vrai qu'après les tots, il y aura plus de grosses périodes dans l'année. Donc voilà, je me suis dit, c'est le bon moment pour balancer une petite vidéo flashback sur FIFA 16. Un jeu que j'ai quand même apprécié. J'y ai beaucoup joué. Et j'ai eu des packs de fou hein, comparé à cette année. J'ai eu des bons packs cette année. Mais l'année dernière, le pack Messi plus Griezmann dans le même pack. Je suis désolé, c'est ça. J'ai jamais été à ce niveau-là sur FIFA 17. Donc voilà, c'est un petit peu de nostalgie. On va retourner sur FIFA 17. On va voir ce qui se passe dans mon club Ultimate Team. Je me rappelle pas. Je vais aussi comparer comment j'ai fait de match. Je suis pas du tout retourné dessus depuis facile 6 mois. Donc je sais pas ce qui se passe dans mon club. J'ai totalement oublié. Mais voilà, après les tots sur FIFA 17, voilà, on va commencer à s'enlacer. Même si ça fait quelques temps que je m'en suis un petit peu lassé, je vais pas te mentir. Mais on va commencer à un peu l'oublier. Peu beaucoup moins joué je pense. C'est parti les gars, j'ai lancé Ultimate Team. On va voir, on va regarder surtout combien on a de victoires, défaites, tout ça, nos crédits, nos points FIFA. On va aller visiter le club et on va peut-être faire un petit match ensuite. Peut-être un pack opening si on a des crédits, tout ça. On va voir. Ultimate Team, voilà les gars, 11 000 crédits. Je peux même pas ouvrir un seul pack. Ah, j'ai 10 packs en boutique quand même. Je sais pas à quoi ça correspond, mais je regarde mon bilan. 562 victoires, 507 défaites. Un ratio un peu plus supérieur à 1. C'est pas ouf, mais on voit que cette année sur FIFA 17, j'ai quand même beaucoup plus joué hein. Je crois que je suis à plus de 1000 victoires ou quasiment j'atteins les 1000 victoires et un peu plus de 500 défaites. Donc voilà, j'ai quand même fait 500 matchs faciles en plus. On va regarder la boutique déjà. Qu'est-ce qu'on a dans la boutique? Qu'est-ce que c'est? Des packs or? Putain, on va ouvrir les packs or. Oh, il y a plein de packs en vrai. Il y a plein de packs. On va aussi regarder le club. Le club d'abord avant d'aller regarder nos équipes. Non, d'abord les équipes et ensuite le club. En tout cas, on voit que le meilleur buteur du club, c'est bien sûr Pelé. Tu sais que le menu, la tête de moi, regardez, il est trop rapide comparé à FUT 17. La tête, ça va trop vite. Ma parole, ça va trop vite. Mon équipe, 196. Ah là là là. Là, l'équipe de port, elle est magnifique. Ah ouais, j'avais tous les Totti là, c'est un truc de fou. Par contre, ouais, graphiquement, ah, je préfère cette année les cartes. Hein. Mais voilà, l'année dernière, je me plaignais pas, ça devait me sembler potable. Premier détenteur, le Suarez, c'est ma soeur qui l'avait paqué, les gars. 75 buts, c'est magnifique. Carvajal, on s'en fout. Ronaldo, Messi, Modric, premier détenteur aussi, je l'avais gardé. C'est vrai, j'étais partenaire IE avec, avec FIFA 16. Et du coup, on me l'avait envoyé, Pelé. Bien sûr, je l'ai pas paqué, Pelé. Mais oh là là, ce club de fou quand même. Bon, c'est à peu près similaire cette année, mais premier détenteur, lui je l'avais paqué et je le kiffe, Daniel Alves. On va aller voir vite fait le club en lui-même, les joueurs qu'on a dans le club, plein de légendes. Alors si je me trompe pas, toutes ces légendes c'est paqué hein. Ah ouais, Baresi, Laudrup c'est paqué, Geek c'est paqué, Lickmanen c'est paqué, Kluivert c'est paqué, Baya c'est paqué. Je crois que j'en ai paqué un petit peu plus des légendes cette année hein, comparé à l'année dernière. J'en ai paqué pas mal l'année dernière, mais cette année je crois que j'ai pas compté, mais j'en ai paqué au moins une dizaine, alors que là on doit être à 7-8. On continue le club hein, les versions. Ah, c'est même pas les versions Totti hein, j'ai dit n'importe quoi, c'est les versions Tots apparemment. Là c'est les versions Totti avec Neuer, Griezmann, Record Breaker, c'est ça? Bleu et rouge. Non, ça devait être les équipes pendant l'Euro peut-être. Ouais, c'est certainement pendant l'Euro ça. Ok, bah le club franchement, ah il est sympathique. Hein. Oh, il avait une version boost. Song Sun-min les gars. Un match, un doublé, une passe D. Il est là le Song Sun-min. Ah franchement les gars, je kiffe mon club. Hein. Je kiffe. Bon maintenant, on va ouvrir des packs bien sûr. Alors est-ce qu'il y a des packs spéciaux là? Il y a des packs spéciaux? Allez, on va ouvrir un petit pack premium or. En tout cas, on commence par Mané, c'est ça? Ouais, Mané. Mané cette année. Qui est vraiment très très fort les gars. Tu vois, je peux le revendre 1300, la tête de moi, je peux me faire des crédits. C'est quoi, je vais le vendre. Eh ouais, l'animation quand t'ouvres un pack, ça a rien à voir avec cette année. Sérieusement, tu pouvais pas savoir si t'avais une animation, si t'avais directement un gros joueur. Ah, qu'est-ce qu'on pack là? On pack Chesney. Ouais, c'est dégueulasse quoi qu'il arrive. Il y a une équipe de la semaine encore. Alors certainement ils sont encore dans les packs, mais ils doivent tomber quand même. Enfin, il y en a, ils ont dû les packer 1000 fois ces joueurs s'ils sont encore dans les packs. Il y a quand même de beaux joueurs. Hein. Il y a le De Bruyne 95 à droite. Franchement, oh là 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 là. Lukaku qui a une vraie carte également. Et t'as le Higuain 95. 14, qui a une vraie carte également. Du coup, je vais continuer d'ouvrir des packs que j'ai. Ils sont gratuits. Pourquoi je m'en priverai? Allez, un nouveau pack joueur premium. Or, bon, on va pas avoir grand chose, j'imagine. On n'est pas là pour faire un pack opening. De toute manière, on va aller jouer un petit match. Marah, mais même pas de joueur rare. Je vais vous passer ces packs. Hein. On n'est pas là pour faire un pack opening, je vous disais. Et du coup, je vais vous passer ces packs parce qu'un pack or, c'est impossible que j'ai de la chance à l'intérieur. Il a bugué le pack. C'est comment? Animation. On passe le pack et on a eu un coréen. C'est bon, FIFA 16 c'est fini. Ils auraient pu augmenter la chance dans les packs. Mais c'est des packs or. Ouais, un petit boost là pour la vidéo, ça aurait été cool. Merde, y'a rien, les gars. Y'a rien, c'est pas grave. On va passer un petit match, je pense, avec l'équipe de port que j'ai. Du coup, on était en division 1. Et on va partir pour un match de division 1. On va voir si on trouve un adversaire. Surtout, ça c'est la grande interrogation que je me pose. J'ai une équipe de fou. Mais bon, hein, on est d'accord, c'est FIFA 16. Hein, croyez pas que je vais être bon.
Lourd, on a trouvé un adversaire rapidement, on va se le faire. C'est cool, franchement c'est cool. Je vais kiffer. Honnêtement, on va pas être perdu sur FIFA 16, on va savoir jouer tranquillement. Donc on affronte ça, écoutez, rien de fou. Sérieusement, faut que je gagne ce match pour la vidéo au moins. Allez, c'est parti les gars, donc niveau gameplay, je pense que... Ouais, franchement, c'est les mêmes touches, y a aucun souci. Normalement, ce match, ça va le faire. Limite, je vais être meilleur maintenant que j'ai jamais été, je pense, sur FIFA 17. Et le premier but direct d'entrée. Oui, c'est magnifique. Je voulais dire sur FIFA 16. Parce que sur FIFA 17, honnêtement, je trouve que je me suis amélioré au niveau de mon gameplay. C'est-à-dire que maintenant, je reviens sur FIFA 16, je suis sûr que je suis meilleur qu'avant, mais vraiment meilleur qu'avant. Genre, mon niveau, ça doit être deux fois celui que j'avais sur FIFA 16. J'étais nul sur FIFA 16, sérieusement. En tout cas, oh là là, ça commence super bien. Je ressens bien que les joueurs, ils sont hardcore, ceux que j'ai. C'est magnifique, hein. Oh, je kiffe. Là, je suis en train de kiffer. Ça pouvait pas commencer mieux. Oh là là, le monstre Gullit, le ballon, il est même pas sorti du terrain. On va pouvoir commencer à construire un petit peu. Ça se passe. Ça passe en profondeur et c'est le lob. Ok, ça rentre pas, mais regardez. Oh, dommage. Sérieusement, le gardien, normalement, bon, c'est pas grave. On va pas se plaindre. Tranquille, on est là pour kiffer. Oh, il y a faute. Bon, les coups francs, est-ce que je suis bon en coups francs sur ce jeu? Je pense pas être bon en coups francs. Oh la vie, moi j'ai réussi à le mettre quasiment. Mais oh mon dieu. Mais je vous ai dit, j'ai jamais été meilleur que sur ce jeu, que j'ai jamais été sur FIFA 16 toute l'année où j'ai fait des vidéos dessus. Oh, j'ai failli mettre un coup franc, j'ai failli mettre une retournée, j'ai mis un but à la première minute. Est-ce que j'ai déjà fait ça dans une vidéo, ne serait-ce qu'une vidéo sur FIFA 16? Oh. En bas à gauche, c'est parti pour Cristiano Ronaldo. Je me rappelle sur ce jeu, les long shots, ils étaient pas mal. Hein. Je vais pas en faire là, mais les long shots, ils étaient pas mal. Écoute, je continue d'avoir le ballon. Ouais, écoutez, là, c'est dégueulasse ce que j'ai fait. Clairement, c'est dégueulasse. Merde. Oh merde. Oh merde. Il va peut-être égaliser, mais non. J'ai Barisi en défense. Ah non, c'est Beckenbauer. Parfait. Le contrôle de Cricri. À droite, ça va. C'est quoi cette passe, frère? Mais non, pas une passe comme ça. Bing, voilà, là c'est bon là. Allez, on roule, mon petit Lionel. Et ça fait 2-0, parce que Ronaldo, il la reprend. What the fuck? Parfait, ça. Voilà, cri-cri. T'as vu Gullit? Gullit qui part en profondeur, et le tac de Gullit dans la tête du gardien quand même. Ça passe, mais ça passe tout ça. Tout ça, ça passe. Et la passe ici, elle a frappé le 2-0, les gars. Là, il est simple celui-ci. J'ai appuyé sur L2 quand même pour qu'il fasse une petite panenka. Je sais pas ce qu'il aurait pu faire, panenka. C'est pas ça une panenka, c'est très bien, les gars. Mais voilà, il fasse un geste technique ou je sais pas, ouais, une... Je sais pas, moi, quelque chose, une talonnade. Mais il a rien fait, Suarez, 2-0. Le but est moche, mais le but est là quand même. Bon, à la mi-temps, sans prétention aucune, je suis supérieur à l'adversaire. Fait plaisir hein, pour le retour sur FIFA 16. Mais vous voyez l'équipe que j'ai en même temps, c'est un peu logique. Mais je suis content parce que, sérieusement, je suis meilleur que l'année dernière sur ce jeu. C'est parce que FIFA 17, sérieusement, je me suis amélioré. L'année dernière, je faisais pas des... comment ça s'appelle, là, les L2R2, des doubles gâchettes. Je faisais pas tout ça. Du coup, là, cette année, quand je joue à FIFA 16, je le fais. Et du coup, je joue mieux, tout simplement. Ça a changé ma manière de jouer. Ça m'a rendu bien meilleur quand même. Bon, là, il rate un but tout fait. Et voilà, ça se ressent quand tu reviens sur le jeu, quoi. Où on n'était pas forcément très, 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 très bon. Et là, par contre, on a un meilleur cas, je peux pas oublier. Hop. Hop, elle a un triangle pour Luis Suarez. Et la frappe directe enchaînée. Bien sûr, on essaie de mettre des beaux buts dans cette vidéo. Oh, là par contre, c'est lui qui m'a mis un beau but. On peut rien dire. Aïe, 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 aïe. Il va égaliser, hein. Il va égaliser. Il égalise même pas. Oh, sérieusement, c'est Sergio Ramos qui a fait ça, hein, je pense. Même pas. C'est Tevez qui a tiré à côté, les gars. Bah écoutez, tant mieux pour moi. Parce que là, il aurait pu égaliser deux actions, deux buts. Ça aurait été beau pour lui. Mais là, par contre, je vais pas rigoler avec toi, gros. La vitesse de Ronaldo, on est passé. Hop, on fait ça. Et on enroule. Tranquille. La vitesse de Ronaldo, sérieusement, ça a fait mal. Parfait, ça. Perfecto, parce que je vais l'avoir. Non, dommage. On a un bon coup franc, on va le tirer avec Cristiano Ronaldo. Alors, je sais pas tirer les coups francs, je vous ai déjà dit, mais tout à l'heure, on a réussi à faire un truc pas mal. Ma vie de ma mère, comment c'est possible? Sa main, c'est du béton, gardien. Normalement, il la sort pas, celle-ci. Comment ça, sur FIFA 16, je sais tirer les coups francs, moi? Impossible, je sais tirer les coups francs. Putain, mais j'ai raté deux coups francs dans cette... Ah, à cause du gardien. Bien, l'adversaire, on va arrêter de rager. On va aller mettre un centre. Pourquoi pas un coup du scorpion à l'arrivée? Non, y a rien du tout. Par contre, là, Modric, ça va pas rigoler la frappe. Allez, Ronaldo part. Bang. Allez, Ronaldo, allez. La vitesse. Là, par contre, c'est la vitesse. Regardez-moi cette vitesse. Regardez, le défenseur, il peut rien faire. Il est cloué sur place. Là, on va centrer en coup du foulard, s'il vous plaît. Dommage. Et du coup, on termine le match comme ça, hein, comme prévu.
Écoutez, j'ai bien aimé ce retour sur FIFA 16, ça fait plaisir. C'est un peu plus simple, je dirais, que FIFA 17, honnêtement. Un peu moins complexe, mais dans l'ensemble, ça se ressemble quand même beaucoup, hein. Bref, les gars, j'ai bien kiffé ce retour sur FIFA 16, personnellement. Je sais pas si c'est le cas pour vous, mais en tout cas, si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime. 20 000 j'aime, pourquoi pas? Et si vraiment vous voulez, on retourne également sur FIFA 15. Comme ça, voilà, on se fait un petit peu la série des FIFA, là, vu que FIFA 17, c'est un peu la fin, hein, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Allez, les gars, j'espère que la vidéo vous a plu, passez une bonne journée. Ciao tout le monde, c'était YoYo.